Artless.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Instagram, le YouTube. OK, salut tout le monde, c'est Alan pour le workshop. Bienvenue dans votre Break 788. On finit cette soirée avec du NASCAR. Ouais, mais tout qu'un break. On a une boîte, un blaster, en fait, d'Unrush Racing 2021. Peut-être une Labbé, peut-être une Lessa. Mais on a surtout une moseuse de belle boîte. National Treasures 2020. Première fois qu'on va ouvrir ça ici, ça va être assez plaisant. Oh, on s'en va en live tout de suite. C'est l'heure d'y aller. Voici nos deux boîtes. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Louis-Philippe, salut Alexandre. Oh yes, bonne chance, on a de la belle carte qui s'en vient, c'est sûr. Là, je vous explique comment ça va fonctionner initialement. Question que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il y a deux choses bien distinctes entre les deux boîtes. Ici, là-dedans, là, on a 7 paquets. C'est pour ça qu'on a 7 spots dans ce break. Chacun va avoir un paquet. On va aller faire le random en live. Tout le monde va le voir. Je vais partager mon écran. Et l'ordre dans lequel ça va sortir, bien, ça va être l'ordre dans lequel on va rouler le dé pour décider quel pack, un à la fois, jusqu'à temps qu'on ait fait nos 7 packs. Ensuite de ça, on ouvre la boîte, tout le monde ensemble, et c'est un draft. Donc un draft, je m'explique, c'est le premier qui va être, celui qui va être en numéro 1, qui va choisir la carte de son choix une fois que la boîte va être toute ouverte. Ensuite, le deuxième, le troisième, etc. Excepté que là-dedans, il y a 8 cartes, comme vous pouvez voir. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué dans la description du post du break que celui qui terminera en 7e position aurait les 2 dernières cartes. Donc, un petit avantage, peut-être, pour de finir dernier. Mais des fois, c'est plate un peu quand on paye un prix comme ça, d'avoir un beau produit, d'avoir juste une carte
quand on finit à la fin. Donc, je me suis dit que deux cartes, ça pourrait être intéressant pour celui qui finissait dernier. Salut Simon. Donc là, bien sûr, il est un petit peu plus tard. Je ne sais pas si tout le monde va être sur le live. Donc, on va quand même y aller jusqu'à temps qu'il y ait du monde qui nous réponde. Et pour le draft, bien sûr, si des fois les gens ne sont pas sur le live, on va closer ça et on va faire le draft à l'extérieur tout simplement sur le post. Et je vais aller vous voir en privé un par un pour savoir quelle carte vous choisissez tout simplement. Donc, voilà les explications faites. Je vais aller vous partager mon écran et on va procéder au random. Donc. Ici. Je vous partage mon écran. Un, deux, trois, quatre, huit, douze. Donc là, ça devrait bien marcher. Un, deux, trois, quatre, ça marche bien. Parfait. Donc, je reviens sur l'écran ici. Donc, le dice roll de 7 était fait. Donc, voilà, désolé, j'avais un petit problème technique niveau sonore. Et là, c'est parti. Bien, on y va cette fois. Bonne chance, tout le monde. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième round. Cinquième, sixième round, on y va avec le timestamp qu'on va mettre toujours sur le post. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ouais, c'est vrai que je dis ça, ça arrive que je dis ça des fois. Hein? Salut Bob. On a le timestamp ici, 11:44 p.m. On rafraîchit ici, 23:44. Hey, let's go, on y va, final round. Voici l'ordre dans lequel on va sortir ça. Donc, timestamp final, on va aller le placer de l'autre côté. Voilà comme ça. Et on a l'ordre juste ici, donc de Ahmed en haut jusqu'à Martin en bas. Donc, voilà, on va revenir en live. 1, 2, 3, go. Donc, je reviens en live avec vous. On va aller changer l'ordre ici. Donc voici le bon ordre maintenant. Voilà, on va enlever ces petits mini-là. Ça va être plus agréable. Comme ça. Comme ça. Donc voici l'ordre. Vous l'avez ici dans le haut de votre écran. C'est aussi simple que ça. Ça va être ça l'ordre dans lequel on va bouger nos choses. Donc, on commence. C'est parti avec le blaster ici. Donc, tout le monde a droit à un paquet. On a le dé qui est ici, pas trop loin. Pourquoi on utilise le dé? Je vous l'explique. Dans les blasters, le hit semble toujours être le troisième paquet, tout simplement. Donc, après en avoir ouvert quatre qui étaient configurés de la même façon, on s'est dit qu'on fonctionnerait d'une autre façon. Donc, les sept packs sont ici. Donc, salut Ahmed! Donc voilà, donc Ahmed est là justement, il aura le premier choix tout à l'heure. On passe ça tout de suite justement. Ahmed, tu as le premier pack, allons voir. Coup de dé, on est à 5. Donc Ahmed a le cinquième pack, 3, 4 et 5 juste ici. Oh, semble avoir quelque chose de plus épais pour Ahmed, allons voir. Ahmed, voici ton pack. On a Alfredo Base et Baba Wallace. Monsieur Baba Wallace. Oh, avec un bout de rubber. Yes, sir. Raise des relics. C'est un bout de tire, oui. Number 43, raise des relics. Nice one, Ahmed. Congrats. On commence ça de belle façon.
Ensuite, on a une Gray-Rated Rookie de Weatherman. Une Orange de Vargas. Denny Hamlin Dominators. Et notre optique, c'est Brandon Brown. Newman et Truex Base ensuite. Voilà, Med, ton premier pack. Ben, ton pack, en fait. Deuxième, c'est Martin maintenant. Coup de dé pour Martin. On y va à 3. Donc, 1, 2 et 3, celui-ci. Allons voir pour Martin qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On espère, bien sûr, peut-être sortir une Raphaël Lessard ou une Alex Labbé ce soir. Ça serait plaisant. C'est parti pour le pack de Martin. Base, base. On passe avec my man, Kurt Busch, Grey Border. Orange de Ryan Preece. Ensuite, Ticket Contenders de M. William Byron. Et l'optique, c'est Ray Black Jr. Base and base ensuite. Voilà ton pack, donc, Martin. Le prochain. C'est Evan maintenant. Evan, première fois avec nous. Welcome to the workshop 2. On y va avec le deuxième pack ici. Donc, base Patrick ici. Orange Disco, Chris Boucher. Gray de Christopher Bell. Orange de Danica Patrick. There we go. Nice one, Evan. Ah, il y aurait des clous, Denis, ça serait méchant dans le paquet, oui. Action pack, Denis Hamlin ici. Hey, on a une optique de Justin Haley. Cette base de Haley. Et on a Bubba Wallace, Race Kings aussi. Voilà, Evan, pour ton pack, congrats. Ensuite, on enchaîne avec Alexandre. De 1 à 4, s'il vous plaît. On y va à 6, on recommence. On recommence, on avait 5. On y va à 6 encore, un autre coup. On y va à 4, donc pour Alexandre. On s'en va en dessous. C'est parti pour Alexandre, premier de 2. Base de Sieg. Orange Disco de Ryan Truex. Gray de Ryan Newman. Semble-t-il qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison, lui. Orange de Kevin Harvick. Et on a une Aero Package de Joey Logano. Et l'optique, Ryan Newman à nouveau. Base and base ensuite. Voilà donc, Alexandre, pour ton premier pack. On y va avec Louis-Philippe maintenant, c'est parti, Dice Roll. On y va avec le numéro 1. Donc, premier pack on top. Pour son premier break NASCAR, bienvenue Louis-Philippe. On te souhaite du gros stock, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? Base Rated Rookie, Alex Labbé. Nice one, Alex Labbé Rated Rookie. Pour Louis-Philippe Dupuis. There we go. Nice one. Let's do this. Ensuite, Reed Sorensen, Gary. Derek Krause, Orange. Et une rétro series de Carl Edwards. Ah, moi aussi, Denis, j'ai hâte de voir ça. Optique de Gilly Lind, A base and base de Sieg Stenhouse. Voilà donc, Louis-Philippe, pour ton pack, congrats. C'est tout qu'un chauffeur. On y va avec Alexandre maintenant, un ou deux. On y va avec le 1 directement, tout de suite. Premier pack donc pour Alexandre et l'autre va être pour Martin. Donc, X Base, Orange Disco Rated Rookie de Monsieur Maissey. Gray Border, BK, Race Kings. Orange de DiBenedetto. Et NASCAR Classics de Earnhardt Jr. Optique, Denny Hamlin. Base Bell. Et BK Race Kings, la régulière cette fois. Voilà, Alexandre, ça complète ton deuxième pack.
Et allons-y pour le dernier qui appartient à Martin Desrosiers. C'est parti, last one of this box. Newman Base, Orange Disco, Tidalin. Une red maintenant, Danica Patrick. Numéroté sur 299. Here we go, nice one, Martin. Ensuite, une Orange de Byron. Aero Package de Byron aussi. Et une Silver de Danica Patrick. Oui, oui. Twice in the same pack. Patrick number two. Nice one, Martin. Et on a Cole Custer aussi, Race Kings, dans le same pack. Voilà donc pour Martin. Congrats. Nice pack quand même. On va se faire de la place parce que là, on s'en va dans les choses sérieuses. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, on ouvre la boîte ensemble, on regarde ça. Et ensuite, on va faire le draft. Bien sûr, tant qu'on est live, on le fait ensemble. Tant qu'il y a du monde live, je veux dire. Donc, Ahmed choisit en premier, Martin, Evan, etc. Donc, tant que les gens sont là, on procède. Sinon, bien sûr, on va closer le live. Et on va faire ça hors live. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh! Je tiens à vous dire ici que c'est la première fois que j'ouvre cette boîte-là. Donc, c'est un privilège de faire ça avec vous. Donc, vous pouvez voir les petites, des petites peintures toutes. Tabarouette! C'est quelque chose avec le seal officiel. Donc, c'est parti. Donc, on va passer un petit coup de couteau ici. Oh! National Treasure! Ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Tu vois, je fais même la musique d'intro quand ça roule. C'est incroyable. Incroyable. Voilà donc le pack ici. Oh, on a un petit pack supplémentaire. White Sparkle, ça, je me souvenais pas qu'il y avait ça, par exemple. Donc, voilà. On va mettre ça ici. Roulement de tambour. Fait que là, on va ouvrir ça. En fait, ça, je me rappelais pas du tout qu'il y avait ça. Je crois que c'est un extra, si ma mémoire est bonne. Donc, si tel est le cas, ben, on va faire un random parmi tout le monde pour les cartes, tout simplement. Tout simplement, hey, j'ai même pas fait ça. Me permettez-vous, on va se reprendre tout de suite avant l'ouverture de cette box-là. On va faire ça comme du monde. Let's go! Drivers, start your engines! Merci, Alexandre, de me ramener à l'ordre. Merci. Non, en fait, Louis-Philippe, de mémoire, la configuration de ces boîtes-là, c'est qu'il y a une carte de base, il y a trois reliques et il y a quatre autographes, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a quand même du stock là-dedans. Là. Donc, on va ouvrir le pack de White Sparkle. Et vous allez voir, ça, c'est pas mal beau. Voilà, 2020 White Sparkle. Et on va découvrir ça ensemble. Bien sûr, ça va être random parmi tout le monde. On a Power Train ici. Kevin Harvick. Sont-tu belles? Oh boy. Oh boy. White Sparkle. Donc, Power Train ici, Monsieur Harvick. Ensuite, on a Tyler Reddick. Prism White Sparkle. C'est-tu beau, ça? Caroline. Et la dernière, oh, let's go! Fireworks, Danica Patrick. Oh, nice! Un beau pack de White Sparkle. Pretty nice, Madame Patrick, ici. Donc, on va faire le random parmi tout le monde, une fois le break complété, sur le post directement. Donc, allons voir ce qui se cache là-dedans. On va ouvrir ça ensemble. Est-ce que c'est scellé? Yes! OK. Je ne sais pas vous autres, je suis fébrile. Allons voir. Oh, c'est direct de même. Direct comme ça. Alors, on va ouvrir ça. On va y aller comme ça. On va y aller avec précaution. Voilà. Donc, boîte vide ici. Boîte vide ici. On va tasser ça plus loin.
Et on va servir de nos decoys. Voilà, et on part ça avec. Allez, on a une bouclette. Youhou! Ah, on passe avec Jeff Burton. Donc, probablement la base card, elle est sur 25. Excusez, mon chien ronfle à côté de moi, c'est quand même drôle. OK, la 09 de 25, donc, Monsieur Burton ici. Le random Louis-Philippe détermine l'ordre dans lequel le draft va se faire pour ces cartes-là. Les cartes qu'on a sorties dans le paquet précédent, les White Sparkles, on va les faire random parmi tout le monde. Donc, je vais les faire sur le post du break une fois que ça va être complété. Mais là, on ouvre toutes les cartes ensemble. Ahmed va choisir la carte de son choix. Ensuite, Martin va choisir la sienne. Evan aussi. Et Martin va avoir les deux dernières à la fin, tout simplement. Donc, Jeff Burton sur 25. On va sliver tout ça. On va se faire de la place ici. OK, good. C'est parti. Monsieur Burton. Next one. On enchaîne ça avec. Ah, c'est nice en tabarouette. Ouf. On a un bout de soulier. Oui, Race Used Materials. 14 out of 25. Eric Jones. Avec un bout de soulier, c'est quand même malade. Shoes. Ah, c'est hot. Je pense qu'on va avoir du fun dans ce boîte-là. Donc, Eric Jones Shoes. 14 out of 25. Ensuite, poursuivons dans nos reliques. On y va. Oh, nice. On a maintenant les bouts de gants. Un bout de. Puis trois bouts de rubber ici. Race Use Material sur 25, Alex Bowman. Donc, gloves ici et rubber ici sur les trois autres. C'est complètement malade. En tout cas, je ne sais pas vous autres, moi je trouve ça dans ta barouette. non, ça va être une carte par personne, Martin. Les trois premiers vont. Je vais vous l'indiquer laquelle va gagner laquelle, en fait. Je le fais habituellement pour les Pokémon. Donc, on va dire, avant que je le fasse, je vais dire le premier va gagner telle carte, le deuxième telle carte. Donc, ça va être préétabli d'avance. Je vais vous le mentionner sur le post. Donc, une fois le random fait, vous allez savoir si le premier gagne quelle carte, etc. Ensuite, on a un bout de tôle. Oui, un bout de tôle de M. Kyle Busch. Race Used Materials, a Sheet Metal, Kyle Busch. 22 out of 25. C'est quasiment car number. Quasiment car number. Pretty nice. On a des belles reliques. C'est cool, hein? S'il vous plaît, ce produit-là. Ouf. Et là, tranquillement, je pense qu'on va tomber dans le gros stock. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Next one. Premier autographe. On start ça avec. Hey, c'est sharp, ça. Ouf. On passe avec Michael Annette. Donc, c'est un bout de Fire Suit Auto sur 99, la 34. Et là, bougez plus. J'ai fini mes sleeves. On va s'en prendre un nouveau pack. Donc, Michael Annette, 34 out of 99. Voilà, on regarde ça ici. Donc, c'est une simple description à l'arrière, but pretty nice. Donc, Annette sur 99. On se souhaite bien sûr une Hailey Diggin. Ça serait complètement fou de sortir ça. Ah, c'est complètement fou, Denis. En tout cas, moi, je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis un tripeux de course d'avance. Fait que je tripe au fond à ouvrir ça, là. Ensuite, on y va avec. Oh, wow! On y va ensuite avec, regardez-moi la carte de fou, Kaz Gorilla sur 5. Sur 5, deux couleurs de son suit avec l'autographe on card. Oh, pretty nice one. Non, mais quel produit. Quel produit. Je ne sais même pas si les sleeves vont être assez grandes pour que ça rentre. On va essayer, mais si ça ne rentre pas, je ne le forcerai pas. Nope. On va le laisser tel quel.
Donc, Grella sur 5 auto, patch 2 couleurs, sont complètement sick. Mais la carte est très, très, très épaisse. Alors, je ne le forcerai pas dans un sleeve. On va shipper ça de belle façon. On met ça de côté ici. On enchaîne maintenant avec une Moses de belle. Oh, on a une Redemption, imaginez-vous donc. Ah, je pense qu'on a une méchante belle boîte. Oh, mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cartes. On a une carte supplémentaire. Donc, Martin va faire deux choix. Comment qu'on va faire ça? Attendez un peu. Parce que là, on avait prévu les deux dernières pour Martin. Mais là, on ne peut plus faire les deux dernières pour Martin puisqu'il y en a une de plus. Fait que je pense qu'on va faire choisir Martin deux fois. Puis la dernière, on va la randomer parmi tout le monde. Ça va être de quoi demain? Je pense que ça aurait du bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal ça, Guillaume, pour vrai. C'est... Ensuite, on y va, tenez-vous bien avec Bill Elliott. Oh! Qualifying marks 10 out of 25. Woo-hoo! Bill Elliott, auto sur 25. Excusez-le, mais j'ai pas le choix. Broccoli time! Woo-hoo! Oh! Ce n'est pas qu'un chaudron, ce monsieur. Non, 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 non. Non, non, non. Jean-François, il me semble qu'il était 105, je pense. 105 le spot. Donc, Bill Elliott ici. Complètement fou, ça. Oh, que c'est un beau hit, ça. Ensuite, notre Redemption. Ah, wow! On a des beaux hits pour finir. Donnez-moi un decoy, quelqu'un, s'il vous plaît. OK, on va mettre ça ici. On y va avec une Redemption. On découvre ça ensemble. Ça n'est une belle. Ça n'est une belle. Ça fait plaisir. On va attendre le focus. Le voici. Trackside Signature Silver. De monsieur. La carte numéro 5. De monsieur. Baba Wallace. Oh yes! Trackside Signatures Silver. De Baba Wallace. Oh, ça, c'est nice, hein, s'il vous plaît. Oh, que ça n'est une belle, ça aussi. On va remplacer M. Baba Wallace par lui-même ici. Nice. Et la dernière, c'est un booklet. Oh, que j'ai hâte d'ouvrir ça, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. D'après ce que je vois, c'est numéroté sur 25 seulement. C'est la numéro 10. Et allons voir ça. Je vous présente notre dernière carte ici. C'est nul autre que Monsieur Joey Logano. Logano! 10 out of 25, on ouvre ça? Oh, nice! On a pogné une patch blanche, mais quand même malade. Quand même malade, les booklets. Wow! Toute qu'une autographe ici de Logano. 10 de 25, je vous la remonte ici. Wouh! Mais ça, c'est parce qu'avec les bouclettes là, ici, là, on peut sortir un logo, on peut sortir toutes sortes de stocks. Vous irez voir les checklists pour vrai ou sur eBay. C'est complètement fou ce qu'on peut sortir ici comme patch. Là, c'est parce qu'elle est blanche, elle est un peu plus ordinaire. Mais c'est quand même assez incroyable. Joey Logano, 10 de 25. Wow, belle façon de finir ça. Ouh là là. Alors, on y va avec le draft tout de suite. Hey, c'est quasiment ça, Denis, pour vrai, c'est quasiment ça. Ahmed, si t'es sur le live avec nous, c'est à ton tour de choisir en premier la carte de ton choix. Donc, Ahmed, tu peux y aller quand t'es prêt. Tu nous mentionnes la carte que tu veux, tout simplement. Et la carte va être à toi. On va se préparer ici en attendant. Donc, Ahmed, tu peux y aller quand tu veux, juste à nous mentionner la carte que tu veux. Je peux t'y remontrer si tu veux au besoin, gêne-toi pas. Ensuite, la Redemption est-ce une numérotée? Je ne le vois pas, donc j'aurais tendance à dire non.
Donc, je vous la remonte ici. Donc, Trackside Signatures Silver. D'habitude, quand c'est numéroté, ils vont l'indiquer. Donc, j'aurais tendance à dire non, Martin. Je ne suis vraiment pas un connaisseur, mais j'hésite entre Elliott et la dernière. Ah, écoute, tu y vas comme tu as envie, Ahmed. Bill Elliott, ça en est un solide. Il a fait ses preuves. L'histoire est là, ça en est un solide. Mais un bouclette, ça reste un bouclette. Joey Logano, il est encore très, très solide dans les coureurs présents, en fait, qui courent encore. Donc, tu sais, c'est. Mais sens-toi bien à l'aise, tu as le choix. Ça reste des très beaux hits, autant l'un que l'autre. Donc, Martin Air le prochain. Ensuite, Evan. Voilà, on va se préparer un petit listing en attendant. Ensuite, Alexandre. Eh bien oui, Denis, merci beaucoup. Bonne nuit. Sois prudent sur le retour de l'autre format. Louis-Philippe Dupuis après ça ici. Moi, je suis en train de me préparer des petites étiquettes. Donc, Ahmed, il va avec la dernière. Donc, le booklet. Donc, le booklet pour Ahmed. Félicitations, Ahmed. Tu remportes donc cette Joey Logano. Booklet 10 out of 25. Hey Martin, je vais en refaire un, c'est sûr. Je vais en refaire un, c'est sûr. On a des bons fans de course ici. C'est très, très plaisant. Très, très plaisant. Donc, Ahmed ici pour le bouclette. Félicitations. On y va ensuite avec Martin. Martin R, on va dire ça de même, parce qu'on a deux Martins aujourd'hui. Donc, Martin R, quand tu veux, c'est à ton tour. Voilà. Donc, Martin, si des fois tu veux que je te remontre des cartes, allons-y. Il était là tantôt, Louis-Philippe, oui. Voilà. Donc, Martin, à ton tour. Quand tu es prêt, laisse-nous ça en commentaire et on y va. Aussi simple que ça. La Elliott, si elle est on card, oui, absolument on card. Donc, je sais pas si tu vois avec le reflet, il n'y a bel et bien pas de sticker. C'est on card, 10 de 25. N'oubliez pas non plus qu'on a celle-là qui est de côté ici, la case Gorala sur 5. Elle n'est pas dans le décor, mais n'oubliez pas exactement. Voilà, Sam, merci. On a comme pensé à ça en même temps. 3 de 5 de M. Gralla. Je vais la mettre juste ici. Question qu'on ne l'oublie pas. Tu prends L, ça veut dire laquelle? Parce que là, moi, je viens de vous montrer M. Gralla, mais on venait de regarder Bill Elliott. Laquelle tu veux, Martin? Juste me dire quelle carte. Je veux juste être sûr de te donner la bonne. Evan, prépare-toi, ça va être à ton tour. It's gonna be your turn, Evan, be ready. Pom, 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 pom. Martin prend Bill Elliott. C'est réglé, Martin. Félicitations, 10 de 25. Qualifying marks, Bill Elliott à tour. Voilà donc, félicitations. On y va avec Evan maintenant. Evan, c'est parti. On va se donner quelques minutes, bien sûr. En espérant qu'Evan soit sur le live avec nous. Si Evan n'est pas là, on va simplement couper le live. On va aller faire ça en privé. On va attendre qu'il nous réponde. Et on va vous tenir au courant, dans le fond, sur le live. Ça va être comme ça qu'on va. C'est comme ça qu'on procède dans ce temps-là. Donc, Evan, it's your turn now to choose which card you want. Oh, Evan, il va avec Kaz.
There we go, Evan, congrats, nice one here, nice one. There we go, on y va maintenant avec Alexandre Giraud, c'est ton tour. Donc Alexandre pour son premier choix. Donc vous avez les choix qui vous restent en avant de vous. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutez la game Avalanche contre les Blues, mais ça brasse pas pire. Oh, Alexandre, il va avec la Redemption de Bubba Wallace. Voilà, Alexandre, congrats. Tu es propriétaire de cette Trackside Signatures Silver maintenant. Congrats. Ensuite, c'est au tour de Louis-Philippe Dupuis. Quel sera ton choix, Louis-Philippe? Il nous reste les choix que tu as avant toi, Michael Hennett Otto. Sinon, on a les reliques. Donc, Kyle Busch avec un bout de tôle. On a Bowman avec un bout de gant et trois bouts de rubber. Et on a un bout de soulier d'Eric Jones. Ainsi que la base de Burton sur 25. Ben non, Louis-Philippe, je peux pas choisir à ta place, par exemple. Il y a comme un conflit d'intérêts, là, fait que je peux pas embarquer là-dedans, malheureusement. Je peux pas faire ça. Donc, il va falloir que tu choisisses. Donc, tu as le choix de l'autographe de Hennett qui est sur 99 avec un bout de son fire suit. Tu as Kyle Busch, qui est probablement le plus connu de la gang, en fait. Que souvent les gens aiment ou haïssent, mais ça reste un méchant pilote. Alex Bowman qui a gagné dernièrement, sur 25 aussi, très très cool. Eric Jones aussi qui en a gagné quelques-unes par le passé, avec son bout de soulier sur 25 aussi. Les trois sont sur 25, fait que c'est soit que tu veux l'autographe. Si moi j'aime son frère. Moi, mon chauffeur à moi, c'est Kurt Busch, pas Kyle. Mais écoute, il faut être objectif puis donner à César ce qui revient à César. Fait que. Oh, Louis-Philippe, il va avec Kyle Busch. Voilà pour Louis-Philippe. Congrats, 22 de 25. Nice one. Congrats, Louis-Philippe. Ensuite, on y va avec Alexandre pour son deuxième choix. Alexandre avait deux cartes à barouette là-dedans. Alexandre, go for it. It is your turn again. Il nous reste donc l'autographe de Hennett. Je vous la rapproche un petit peu. Oh, Alexandre, il va avec Bowman. Alex Bowman. Gloves and boot de rubber trois fois. Nice one. Nice one, Alexandre. Comme ça et comme ça. Et il nous reste Martin Desrosiers maintenant. Est-ce que Martin était sur le live avec nous? Il nous reste ces trois choix-là. Comme on l'avait mentionné, tu peux en prendre deux. Et la dernière, ben, on va faire un random parmi tout le monde, tout simplement. Hey, ça fait plaisir, Alexandre. C'est le fun en tabarouette. On va, je ne sais pas si ça vous tente, mais je pense qu'on devrait faire ça encore une fois avec une National Treasures encore. Je vais vous sonder. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je referai le même setup. Je l'ai trouvé assez plaisant. Merci. Donc, Martin, est-ce que tu es sur le live avec nous? On va se donner quelques secondes encore. Tu peux faire ton choix parmi les trois dernières. Et la dernière qui restera sera random parmi tout le monde avec les White Sparkles. Pas trop souvent. Non, mais mettons qu'on se dit la semaine prochaine. Là, les prochains breaks NASCAR, je vous le dis tout de suite, on va recommencer à faire des petits breaks avec les blasters. Ça reste pas trop cher, ça reste super plaisant. J'ai une boîte de Certified aussi avec des autographes là-dedans qu'on pourrait peut-être essayer au travers.
Hey, no problem, Evan. You're welcome where you want. Anytime. Merci, Ahmed. Bonne soirée, bonne nuit. Donc, Martin ne semble pas sur le live. On va couper le live présentement, immédiatement. On va attendre que. Je vais aller voir Martin en privé, en fait. On va voir ses choix. Puis. Oh yes, ben le fun, maison. Maison qu'on a du fun. Fait que pour ça, les prochains, on va retourner avec des breaks un petit peu moins chers. Puis peut-être d'ici une semaine ou deux, on se regardera avec une National Treasures. On va avoir du fun à pas pire. Mais voilà tout le monde, je vais vous quitter moi aussi là-dessus. Présentement, il est minuit 17. On me surnomme Alan Buffer. Voilà comme ça. Donc, ça close ce break 788 de NASCAR. Ce fut un très beau moment. En tout cas, moi, j'ai eu du fun à tabarouette. J'espère que vous aussi. Merci, bonne nuit tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée aussi. Et on se revoit demain pour d'autres breaks. Merci. Salut! We'll be right back.